Mets-toi en genou, mets-toi en genou. Seigneur Tout-Puissant, mon Dieu, mon roi, je déclare au nom de Jésus que cet esprit qui anime ce monsieur à aimer l'argent libère ce monsieur à Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, manifeste ta puissance sur la vie de cet homme qui change sa voix qu'il a pris, qui change sa mauvaise voix qu'il a pris, la voix d'argent, la voix de la gloire, la voix qui n'a pas de place dans la vie du Seigneur. Seigneur, je déclare au nom de Jésus maintenant que cet esprit libère au nom puissant et que juste Nazareth. Libère ce monsieur, toi, esprit de Python. Sors de ce corps. Quitte de ce corps au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Tu es libéré. Tu dis quoi? Tu es libéré. Tu dis quoi là? T'as dit quoi? T'as dit quoi là? J'ai dit T'as dit quoi? Je suis quoi? Ton monde, je suis libéré comment? L'esprit est toujours là? Comment ça? Hein? Maman, il y a tout, hein? Vive la maman, yeah! Maman, oh, maman, yo! Je me béni. L'argent. Esprit d'argent, rentre à moi. Ne quitte pas. Béni. Rentre. Eh! L'argent. 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 Bonne soirée à vous, bye. Petit! Eh! Tu vas où? Tu vas où? Tu vas chasser démon aujourd'hui. Petit, tu vas le chasser. Aïe! Tu as parti où ça? Quand bonne soirée, tu vas le chasser aujourd'hui là. J'ai enlevé le maillot même. J'ai enlevé le maillot. Tu as le chasseur aujourd'hui là. Oh. Chasse-le. Chasse-le. Seigneur. Tu as le Saint-Esprit. Jésus en toi. Moi, tu dis c'est l'esprit plutôt. Chasse-le. Je suis en train de dire. Car j'invoque tous les. Je suis en train de dire tous les. J'invoque le Seigneur Tout-Puissant à Saint-Esprit là où tu te trouves. Qu'il ait vraiment pitié de ton âme et qu'il t'ait délaissé mauvais esprit qui t'encraigne. À marcher dans les voies de, dans la voie des ténèbres. Non, non, non. Non. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de chasser. Il n'a pas dit, je vous ai donné le pouvoir de dire, je vais chasser. C'est toi qui dois chasser. Parce que tu as reçu le pouvoir. Matthieu chapitre 10, le verset 7 au verset 8, il atteste. Allez, guérissez les malades, chassez les démons. Il n'a pas dit, allez, je vais chasser. C'est toi qui as reçu le feu pour faire. Donc, chasse-le. Ne demande pas à Dieu de le chasser. C'est toi qui as reçu le pouvoir. Vas-y, mon petit. Je suis en train de dire, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, oui. par la puissance qu'il m'a donnée de chasser cet esprit qui est dans ta vie. Je le chasse au nom de Jésus, à partir de cet instant même. Tu n'as plus, il n'a plus autorité dans ta vie, ni dans la vie de ta famille, ni dans la vie de qui de ta famille. Et la part de Dieu dit. Mon petit. Et la part de Dieu dit. Mon petit. Oui, dit. Je suis en train de dire. Que par la puissance de Dieu que je crois, le Saint Dieu, le Saint Tout-Puissant que je crois. Hein? Qui te libère mais à l'immédiat même de cette emprise que l'ennemi t'a pris. Et qu'il sort de ta vie, que tu ne peux plus amener parce que l'ennemi. Dans ta vie, aide à mener les enfants de Dieu dans les ténèbres parce que tu n'as pas envie de partir. Laisse seul. Les enfants de Dieu. Pour chasser l'esprit de Python que tu as vu là. Laisse les enfants de Dieu. Demeurez béni. Non, il n'y a pas de demeurer béni. Le démon, il est parti, mais il est toujours là. Petit. Le démon, il est parti, mais il est toujours là. Le démon. Regarde-moi dans les yeux. Le python, il est partout, mais il est toujours là. Le python qui a ses cornes dans ta tête, là. Le python dont tu dis tu as vu, là, il est partout, mais il est toujours là. Il rôde autour de toi. Tu ne le vois pas. Il rôde. Le voilà qui rôde encore derrière toi. Mon petit don, il rôde. Il n'est plus en moi. Tu avais dit tout à l'heure qu'il était en moi, non? Il n'est plus à toi. Il est sorti. Il est assorti. Ah, il est sorti. Mais comment se fait-il que je continue d'aimer l'argent? Parce qu'il rôde encore. Il rôde. Il rentre maintenant. Hein? Toi, petit, là, tu ne connais pas. Tu ne connais pas ce que tu viens de faire là. Bonsoir à toi. Tu vas où? Ah, depuis quand un pasteur abandonne sa brebis qui vient de délivrer? Ah, il a fui. Venez encore. Vous ne connaissez pas encore. Venez encore. Venez. Oh my God! En fait, Mathieu, quand il a dit, il y a un esprit de python qui est en toi, il ne savait pas qu'il allait le prendre.
J'ai dit, je m'appelle Marcoso. Il n'y a pas l'homme sur terre qui peut, moi, me mettre. J'y en ai pas. Il a pensé qu'il a dit l'esprit de Python. J'allais faire débat avec lui. Non, il ne s'attendait pas à ce qu'il dit. Chasse l'esprit là. Il ne s'attendait pas à ça. Il pensait qu'il a dit, oh non, quel esprit de Python. Il y a un esprit de Python. C'est cet esprit de Python. Il a fait débat. Il dit, non, faut le chasser. Parce que la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons. Chasse-le. Il prie quand il dit, non, le démon, maintenant, le Python n'est plus en toi, mais il rôde. Il dit, le Python, lui-même, il chasse jusqu'à, il dit, non, le Python n'est plus en toi. Le Python, maintenant, il rôde autour de toi. Il ne peut plus, maintenant, en toi. Il dit, petit, mais comment c'est fait-il que j'aime toujours l'argent? Il dit, non, il rôde. Faut venir encore. Vous ne connaissez pas encore, hein? Vous connaissez le monsieur-là, c'est qui? Vous savez c'est qui, le monsieur-là? Lisez le livre pour savoir qui est Marcoso. Pour savoir si Marcoso est dans la vérité. Lisez ça, là. C'est ça. Lui, il a fui. Depuis quand quelqu'un qui vient chasser demande, lui, fuit. Adama. Non, il a enlevé même mon t-shirt. Il ne peut pas dire que non, l'esprit est dans le t-shirt. J'ai enlevé même pour me mettre torse nu devant lui. Pour que lui-même, il soit. Quand il met ma main sur ma tête, je me dispose pour que sa pierre rentre en moi. Il n'y a rien, petit. Tu es en face de toi, un père. Les enfants, les petits chrétiens mal élevés de maintenant, qui critiquent ma cochon dans les quartiers et autres, parce que je suis l'ami. Je dis, venez poser question. Bim à main. Venez poser question. Oh, il y a qui ici? Prendre soin de ses proches restés en Afrique? Savoir qu'ils sont en bonne santé grâce à une alimentation saine, variée et constante est une préoccupation qui te tient à cœur. Cependant, tu hésites quand tu te rends compte que l'argent que tu envoies à ta famille pour la ration alimentaire est souvent utilisé pour autre chose. Sache que grâce à la plateforme Easy Market, depuis chez toi dans la diaspora, tu peux faire des courses pour tes proches restés au Cameroun et nous livrons en 24 heures. Tu y trouveras une grande diversité de denrées alimentaires ainsi que de produits de première nécessité. Sur Easy Market, c'est 100% satisfait du service ou remboursé. Alors n'hésite plus, rends-toi sur www.easy-market.cm et fais le plein du frigo pour ta famille. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.